À l'interne, les forces armées de la République démocratique du Congo ne désarment pas. Elles poursuivent la traque des groupes négatifs. Dans une conférence de presse, le général-major Léon Richard Kasonga a annoncé la capture ou l'arrestation dimanche à Butembo de Kiandenga, de son vrai nom Kabengela Kiputu. Kiandenga, de son vrai nom, voulait dire Kabengela Kipaku, Jean-Baptiste, il est leader du groupe Mai Mai Kiangenda, force supplétive des terroristes ADF-MTM. Il est l'auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages, une preuve de la cohésion manifeste armée, population et du soutien irréfutable de l'appui du peuple aux activités des forces armées de la République démocratique du Congo. L'arrestation de Sieur Kiandenga demeure la preuve la plus manifeste de la cohésion armée-population et du soutien désormais irréfutable de l'appui de notre peuple aux activités des forces armées de la République démocratique du Congo. Votre armée, par ses activités, par ses actions de tous les jours, par ses succès militaires, reste totalement dévouée à votre protection, et vous le savez, jusqu'au sacrifice suprême. À la fois éveil patriotique, cette dénonciation ou cette arrestation traduit aussi l'engagement et la réponse de notre peuple à l'appel de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État et le commandant suprême.